Si tu sens son souffle sur ta joue. Non, je sens rien. Et si tu entends des bruits dans sa respiration. J'entends rien. Tu n'entends rien. Ouais, non, je pense que. Donc là, on peut considérer que cette personne est en arrêt cardio-respiratoire. Ouais, je suis en train de paniquer, moi. Salut tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo avec FX. Salut. Voilà, que vous connaissez déjà grâce à la vidéo sur le métier d'urgentiste. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien dans la description, d'accord. Et aujourd'hui, FX il va nous parler des gestes de premier secours et du CESU. Donc le CESU, ça ne vous parle pas trop, je lui laisse la parole, donc dis-nous un petit peu ce que c'est. Alors le CESU, c'est l'école du SAMU, c'est le centre d'enseignement des soins d'urgence. Il y en a un par département et c'est cette école en fait qui permet de former les professionnels de santé aux gestes d'urgence et aux gestes de premier secours pour sauver des vies. Du coup les gens là, je suis avec Max, que vous connaissez sûrement aussi peut-être grâce à la vidéo précédente sur les urgences, qui est ambulancier du SAMU et qui a été aussi formé aux gestes de premier secours. Du coup aujourd'hui on va apprendre ce que je dois faire si je trouve une personne comme ça allongée inconsciente dans la rue. Oui, alors si tu trouves une personne comme ça allongée dans la rue, la première chose à faire c'est de contrôler sa conscience. Ok, donc pour ce faire, voir si vraiment elle est inconsciente. Ouais voilà, tout à fait. Donc tu vas la prendre par les mains, tu prends bien ses deux mains. Deux mains, c'est important, voilà. Les deux mains. Ouais tout à fait, c'est important de prendre les deux mains et tu la stimules. Madame, ouvrez les yeux, ouais. Serrez-moi les mains. Madame. Je sais, je suis un super acteur. Fermez les mains, ok, là ça répond pas. Elle répond pas. Ouais. Donc tu vas lui pincer un doigt. Okay. Au niveau de l'ongle, on va faire une réaction à la douleur. Ok. Ok, aucune réaction. Okay, donc on peut considérer que cette personne elle est inconsciente. Ok, c'est pas possible. Comment vous formez les professionnels de santé justement aux gestes de premier secours? Alors on a des formations spécifiques, notamment une qui s'appelle l'AFGSU. Cette formation elle a été créée dans les années 2000 parce qu'on s'est rendu compte que quelqu'un dans la rue qui fait un arrêt cardiaque, il a plus de chances de survivre que quelqu'un qui fait un arrêt cardiaque à l'hôpital. Du coup, là, la personne ne répond pas, elle est inconsciente, je fais quoi? Bah, maintenant qu'on a constaté qu'elle était inconsciente, il faut s'assurer qu'elle respire. Okay. Donc on va contrôler sa respiration. Pour ce faire, tu vas t'approcher de la tête de ta victime, ouais. Tu vas mettre une main, ouais. La paume de ta main sur son front, ouais. Deux à trois doigts en crochet sous son menton, okay. Tu vas faire une bascule prudente de la tête en arrière et tu vas venir te pencher pour contrôler si tu vois sa poitrine se soulever, ouais. Si tu sens son souffle sur ta joue. Non, je sens rien. Et si tu entends des bruits dans sa respiration. J'entends rien. Tu n'entends rien. Ouais, non, je pense que. Donc là, on peut considérer que cette personne est en arrêt cardio-respiratoire. Je suis en train de paniquer, oui. Bah, très bien, du coup, tu me parles de l'AFGSU. Moi, je connais, mais les gens ne connaissent pas forcément. Du coup, vas-y, décris-nous un petit peu ce que c'est. AFGSU, pour attestation de formation aux gestes et soins d'urgence, il y a deux niveaux. Le niveau 1, c'est pour les gens qui travaillent à l'hôpital, mais qui ne sont pas en lien directement avec les patients qui ne font pas des soins, comme par exemple une secrétaire, ouais. Comme une ASH ou quelqu'un de la direction. Okay. À côté de ça, on a l'AFGSU niveau 2, où là, cette fois, on s'adresse directement aux soignants, aux médecins, aux dentistes, infirmières, pharmaciens, etc. Avec, pour cette formation, un recyclage à faire tous les 4 ans pour maintenir les compétences et pour pouvoir rester apte à prendre en charge une urgence vitale dans le temps. Bon, du coup, là, tout ça, ça s'est passé très vite. Hein. Ouais, très rapidement. Très rapidement. Ensuite. D'accord. Hein. Très rapidement, combien de temps à peu près? Conscience, respiration? Eh bien, écoute, la conscience, ça t'a pris 3-4 secondes. La respiration, tu vois, c'est 10 secondes maximum. Ouais, donc là, ouais. Il s'est passé entre 10 et 15 secondes maximum. Maximum, ok, on n'a pas de temps. Comment ça se passe en pratique, c'est-à-dire la formation? Comment vous formez les gens aux gestes de premier secours? Alors, on a beaucoup de pratiques, hein, d'ateliers, de mise en situation et notamment de simulation, hein, notamment avec des mannequins. Les personnes sont habillées, sont en tenue professionnelle et on va avoir une séance de briefing, de mise en situation, donc d'immersion, hein, où les gens sont vraiment comme s'ils étaient dans la vraie vie, avec après un débriefing un peu plus long pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qui s'est passé, et pour du coup améliorer leur pratique et acquérir les gestes. On fait également des formations plus spécifiques, notamment suite aux attentats de Paris de 2015, on a monté maintenant des formations spécifiques pour la prise en charge de blessés en cas d'attentat, notamment le damage control. On a également des formations pour les crèches qu'on est en train de monter, pour l'urgence en fait dans la petite enfance pour le personnel de crèche. On a également des formations pour la protection civile, notamment pour les infirmiers de protection civile, pour qu'ils soient protocolisés. De la saison 9 de Breaking Bad, ok. Je sais pas si vous nous entendez, je sais plus comment lever le masque. Moi je t'entends pas. Eh ben je te comprends, ça va. Attends, j'enlève le masque. Du coup, un petit mot sur ces tenues. Alors, c'est des tenues spécifiques NRBC, c'est d'autres formations qu'on fait en cas de risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique, avec notamment le port de ces tenues.
voix qui sont vraiment très spécifiques et il fait chaud là-dedans. Fait chaud là-dedans. Et ça, c'est avec le CESU. Hein. C'est des formations au niveau du CESU également, ouais. Tout à fait. Ok, bah, écoute, hein, franchement, c'est pas mal. On dirait qu'on est dans Breaking Bad. C'est plutôt bien. Du coup, là, qu'est-ce que je fais? Bah, du coup, là, il va falloir appeler à l'aide, hein, parce que là, ouais. C'est tout seul. Ouais, c'est vrai, je suis tout donc, seul. Soit deux cas de figure, soit tu es tout seul, et donc, du coup, tu vas être obligé d'appeler à l'aide, ouais. Ou tu vas appeler le 15. En règle générale, on a toujours un téléphone portable sur soi, donc on fait le 15, ouais, okay. On met sur haut-parleur, et on va commencer tout de suite un massage, okay. Puisque c'est ce qu'il va falloir commencer. Okay. Alors, comment est-ce qu'on masse? Soit on a la possibilité de dénuder la poitrine. Ok, ouais, ok, alors on fait ça. D'accord, donc là, on a réussi à la dénuder. Donc l'objectif, ça va être de venir te placer sur la partie dure du thorax. Donc ça va être sur ton sternum. Ok. Voilà. Alors attention, ça va être le talon de ta main. Le talon de la main, c'est cette partie-là. Ok, cette partie-là. Que tu vas venir placer sur ton sternum. Ouais. Alors on dit que c'est un travers de doigt au-dessus de la jonction des dernières côtes. Ok. D'accord. C'est sur la partie inférieure du sternum. Voilà, au milieu. Tu déplies tes doigts pour éviter d'être sur les côtes. Tu viens placer ton autre main dessus. Ok. Tu viens te placer bien perpendiculaire sur ta poitrine. Et là, tu vas enfoncer la poitrine de 5 à 6 cm maximum. Ok, bon, je ne sais pas si je fais les bons centimètres. Vas-y. Et j'appuie là. Appuie et tu relâches bien. Voilà. Et je relâche bien. Ça, 100 à 120 fois par minute. Ok. Donc, tu vois, il faut y aller. Donc, il faut aller vite, quoi. Un tout petit. Voilà, là, t'es pas trop mal. Est-ce que j'ai le bon rythme là? Là, t'es pas mal du tout. Un peu plus vite ou plus? Non, c'est bien. Là, comme ça, tu restes comme ça. Et alors là, maintenant, eh ben, tu n'arrêtes plus. Ok. Du coup, moi je suis interne de médecine générale, donc voilà, pour moi, dans ma pratique, plus tard, etc., sachant que je serai peut-être en cabinet, je ne sais pas encore, voilà, comment tu places tout ça pour moi? Alors je pense que plus tard, lorsqu'on est médecin généraliste, on est en cabinet, on a de la pratique quotidienne, mais on est moins confronté à l'urgence, et on fait bien que ce qu'on fait fréquemment. D'où l'importance de faire cette formation-là et de se recycler tous les 4 ans, ouais. Pour pourquoi pas, si jamais un jour, il y a un arrêt cardiaque, par exemple dans la salle d'attente ou autre, de pouvoir réagir et faire les bons gestes le temps que le SAMU, les pompiers, etc. arrivent. On est quand même les premiers acteurs à prendre en charge des patients. Ah, donc là, ce qui peut se passer, c'est que tu peux avoir des ballons qui vont arriver. Ouais. Et là, ce qu'il va falloir que tu leur demandes, c'est d'aller te chercher un défibrillateur. Ok. Hein, quand on est dans la rue. Ouais, maintenant, une fois que tu as commencé le massage, on ne s'arrête plus jusqu'à l'arrivée des secours. Ça marche. Donc tu vas voir que c'est fatigant. Donc l'idéal, c'est de savoir si dans l'assemblée, il y a des gens qui connaissent les gestes de secours. C'est hyper important que tout le monde soit formé parce que tu vois là, en l'occurrence, moi je pourrais venir te relayer quand tu fatigues. Ok, super. Du coup, bah justement, pour que toutes ces formations, etc. soient accessibles aux gens, bah comment on les trouve, comment on fait? Alors, c'est très très simple. Ouais. On a un CESU dans chaque département qui est rattaché au SAMU. Donc ça, vous pouvez trouver les renseignements très facilement en vous rapprochant de votre SAMU directement, voire même directement sur Internet. Et nous, donc, au niveau du CESU 88, on a une page Facebook assez active où on met régulièrement des vidéos sur les gestes techniques, donc des vidéos qui peuvent être très techniques, mais aussi des vidéos, on va dire, plus ludiques et plus rigolotes pour satisfaire tout le monde. Ok, bah voilà. Super. Voilà, donc sur ce, moi je vous dis au revoir et à bientôt. Salut. Pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Salut.